Non. Oh non. Oh non. Oh, je suis bugué, putain, je suis bugué. Y'a quelqu'un? Help me, please. Ok, du coup, reconnexion. Bah ouais, ça peut arriver, des petits bugs comme ça. Merde, ça m'a reconnecté dans mon bug. Mais qu'est-ce que j'ai été me fourrer par là, moi aussi? Bon, allez, ça devrait le faire, là. C'est bon. Eh, c'est bon. On va essayer d'aller récupérer notre stuff, du coup. Ok, je vais essayer d'aller récupérer le stuff. Où est-ce que je m'étais emmanché, moi? Bah, c'était par là, hein. Ah ouais, c'est là-bas que je me suis perdu, moi. Mais qu'est-ce que j'étais foutre là-bas, quoi? Non, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais éviter. Bon, bah voilà. Bon, bah du coup, c'est pas grave, hein. J'avais pas grand-chose, de toute façon, sur moi. Je vais aller voir Shiny et Alaf, ce qu'ils font. Ok. Ouais, vous êtes là? Ici. Yes. Ah bah c'est cool ici, ça va, tranquille. Je sais plus où t'es mort à peu près. Ouais ouais, mais si tu veux, je peux pas aller récupérer mon stuff en fait. C'est chaud. Coincé entre deux pierres, c'est-à-dire c'est un trou avec une pente. Tu veux que je te montre, c'est juste à côté. Ok, je te suis parce que ça se peut, le stuff il a glissé et puis il est de l'autre côté. Je vais te montrer. C'est juste à côté. Je me suis emmanché entre deux pierres, je sais même pas pourquoi j'ai été là-bas. Je me suis dit qu'il y avait un truc super secret de l'autre côté et en fait... C'est mort quoi. Tu vois, c'est là, il est encore là mon stuff. Mais si je vais le chercher, je vais rester bloqué. C'est super risqué. Parce que tu rentres facilement, mais tu sors plus en fait. On va faire un truc. Je vais poser tout ce que j'ai là-bas. Et après, je vais essayer de t'envoyer tout ce que j'ai. Bon, on va peut-être réussir à récupérer mon stuff finalement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, faudra que je me crafte un petit sac à dos aussi. Ça, c'est sympa. Pour avoir plus de place là. Mettre plus de trucs. Après un petit bonnet, des petits gants, une petite basket et tout. Pour être un peu à la mode, ça peut être sympa. Mais je te dis, à mon avis, si t'essayes d'aller les chercher, tu vas rester coincé. Je pense. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer de t'envoyer ce que je trouve. Ouais. Ou les passer de l'autre côté. Et là, c'est le drame. Ça se passe bien pour toi? On dirait que... Ah. Je pense que t'arriveras à passer de l'autre côté là. Je vais essayer de faire le tour. Je vais essayer de faire le tour. Ok. On va essayer de passer de l'autre côté. Attends que je me refoute pas encore dans un bug parce que... Attends, je crois que ça doit être par là. Tu m'entends? T'es là? Je vois pas où t'es. Je vois pas où t'es, je t'entends super loin là. Tu m'entends mieux par là? Ouais, un peu mieux. Ouais. Ok, donc tu dois être dans le coin là. Ah, tu serais peut-être bien par là, tu m'entends là? Ouais, là je t'entends. Ok, à mon avis, tu dois être dans le coin. Vas-y, monte un peu. Ah, tu dois être là, yes. Là je t'entends, voilà. C'est bon. T'arrives pas à passer là? Ouais, par contre, si tu déco. Un très grand service. Ouais. T'as des flèches? Non mais par contre j'ai une lance. Ah tu vas l'utiliser aussi. Attends. Je vais essayer avec la lance. Alors ça va à coup de hache aussi. Ah non putain non, j'ai même pas de lance, ouais. Bah ouais, ça va être à coup de hache mon vieux, ça va être de la barbarie mais c'est... Je suis désolé. Ça va être bon là. Merde. Paix à ton âme, repose en paix. Putain, je suis en train de crever de froid moi. Et je suis... Et je suis infâme! On a une barre d'infâme qui monte. C'est quand on tue des gens. C'est quand on n'est pas gentil, ça. En fait, il y a un truc avec cette barre d'infâme. Mais je sais pas quoi. Normalement... Il a dû respawn à la base, Olaf. Putain, merde, vas-y, 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 monte, monte, monte. On va aller se réchauffer. Yes, c'est bon. Ah bah, t'es de retour, Shinies. Ouais... Putain, mais vas-y, mais allume-toi. Lumière. Allez, allez. Allez. Tu dois avoir une viande là dans le placard si t'es en train de mourir de faim, vas-y. Non, en fait, j'étais en train de mourir de froid. D'accord. Ouais. Et là, tu vois, à deux secondes près, je vais quitter ce monde. Ah ouais.
C'est pour ça qu'il faut pas trop s'éloigner non plus, tu vois, parce que si t'as pas ce qu'il faut sur toi, c'est un peu compliqué. Il est revenu, Alaf ? Ouais, il doit être pas très loin. Ah, parce que j'étais coincé dans un bug tout à l'heure. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Et puis bah du coup, c'est lui qui est resté coincé dedans en allant récupérer mon stuff, quoi. Puis je l'ai tué pour qu'il respawn. D'accord. Et t'avais essayé la touche F1 ? Ah non, ça fait quoi F1 ? Bah je crois que c'est la touche pour débugger. Ah ouais, F1 ça m'ouvre une avite de commande en haut en fait. Bah voilà, bon bah alors ça doit pas être ça. je pense pas, ouais. Bon, je vais aller chercher 2-3 brindis de bois. Je pars à l'aventure. Ok, ça marche. Merde. Allez, mais ferme-la, s'il te plaît, mon dieu. C'est pas vrai, ça. Ok, go à l'aventure. C'est parti. Je vais aller chercher du bois. Putain, par contre... Alors toi... C'est pas vrai que je vais me faire tuer par une biche. Je vais me faire tuer par une biche. Ah non. J'ai cru. La mort con, quoi. Mort piétinée par une biche. Normal. Ah bah, il y a du bois, ça, c'est bon. Ça va être plutôt good pour la base. Attends, c'est quoi ça? Oh putain, c'est un sanglier. Par contre, je suis dans le mal là. Je suis en train de m'ouvrir un petit peu. Disons que je vois bien noir et blanc. Faudrait que mon perso reprenne un peu de couleur. Mais c'est pas toujours évident. Et là, il y a du bois. On va aller chercher ça. Tranquillement. So hungry. Attends, j'ai déjà faim là. Ah bah voilà. Commence à reprendre des couleurs un petit peu. Voilà, ça c'est bon ça. La biche. Viens ici. Moi franchement le système pour ramasser les ressources, je trouve ça vraiment Ah, je trouve ça simple quoi. C'est ludique. C'est cool. En fait même au niveau des crafts et tout, le jeu je le trouve bien pensé. Il est simple. Voilà. C'est vraiment un jeu, on va dire ça peut être tout public. Voilà, c'est pas trop prise de tête comme certains jeux avec les crafts et tout. C'est assez basique. Et c'est peut-être aussi ça qui me plaît dans le jeu. C'est que voilà, tu te prends pas la tête à faire à mélanger je sais pas quoi avec je sais pas quoi. Bon bah bien sûr t'as. C'est sûr que t'as du craft à faire, mais c'est. Voilà. C'est pas compliqué. En plus le jeu est complètement traduit en français. Donc ça c'est plutôt cool de ce côté-là. Putain, il y a du bois partout. Je sais pas si je vais réussir à retrouver la base moi. Toi. Viens ici. Bon, ça me manque des petites flèches pour chasser quoi. C'est vrai qu'avec l'arc tout de suite ce serait un peu plus stylé quoi. Regardez, en plus j'ai une flèche en bout d'arc mais je peux pas, j'ai zéro quoi en fait. C'est de la déco. Putain, c'est qui ça? Attends. Je me demande si c'est pas. Si c'est pas un gars de chez moi. Je vais suivre. Je sais pas si c'est Olaf ou Shinies. Je vais voir, je vais m'approcher. Non, c'est pas de chez moi, ça c'est pas de chez moi. Je me casse. On se casse de là. C'est parti. Ça va être chaud parce que je sais plus où est la base. Et ça, ça va être le réel problème. Disons qu'il va falloir un petit peu de sens de l'orientation. Parce qu'on se perd vite dans ces rocheuses. Ce qu'il y a, c'est que tous les endroits se ressemblent. Donc disons que... C'est un petit peu chaud pour retrouver la base à chaque fois. Oh putain, et puis là, ça commence à faire froid. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Disons que si je reconnaissais... Un endroit, ça me dit quelque chose par là. Ouais, ça me dit quelque chose par là. Il me semble que c'est par là que j'ai été le chercher, qu'il était coincé dans le bug tout à l'heure là. Donc ça doit être plus derrière, à mon avis. Oh yes! Je suis trop fort. Je le savais. C'est quoi ça? Hop! Lâche-moi! Salopard. Oh, je me casse.
Ah, je suis mort. GG. Le sanglier. Ah ouais. Ah ouais, grave. Bah écoute, moi aussi tout à l'heure, t'inquiète. Ah, tout ça pour un bout de bois, quoi. Ouais, t'as vu. Ah ouais, mais je le voulais ce bout de bois, je le voulais. Je vais aller le rechercher d'ailleurs. Bon, je vais aller récupérer. Il reste 3 portes à poser et on a fini. Je vais aller récupérer mon stuff. Tiens, toi, prends ça. J'ai le tir. J'avais peur de te toucher surtout. Non, ça va, tranquille. Oh, c'est bon ça. Je prends. Ça, c'est bon. Bon, je vais aller ramener le stuff que j'ai durement gagné. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Vous êtes dans votre maison? Et ouais. Je vous entends parler. Salut. Bonsoir. On a l'impression de parler à des esprits dans ce jeu, sérieux. On entend des voix, ouais, mais on voit personne. C'est un truc de fou. Mais c'est vous dans votre maison là? Ouais, parce que je passe à côté et j'entends parler. J'étais purée, attends, j'entends des voix. Bah, moi perso, je suis dans le salon là. J'entends quelqu'un, mais je sais pas d'où ça vient. Eh, on s'entend de trop loin dans le jeu, c'est un truc de fou. On s'entend de trop loin. Voilà, là on entend la voisine, elle est sous la douche chez elle. Nous on est dans le salon. Tranquille. Normal, il y a 500 mètres d'écart, mais on se comprend bien. Bon, là, j'ai ramené 2-3 marchandises là. Hein. Attends, mais tu t'es pas crafté de sac? Non, j'ai pas crafté de sac encore. Viens voir là, toi. Bon, bah, le truc de la porte, on verra ça peut-être plus tard. Hein. Merde, du putain, coup, la porte. Ouais, donc, Jolat, tu vois la table là-bas? Tu prends du cuir, tu prends de la ficelle et tu te craftes un sac à dos, s'il te plaît. Ouais, yes. Ça va être cool ça. Et puis, ce qui sera encore mieux, c'est que tu te craftes un bonnet et tu te craftes des chaussures. Ouais, c'est vrai, parce que je suis un peu pieds nus là en fait. C'est vrai ça. Et pareil, Chanis. Je sais que j'adore regarder tes cheveux, mais. Oui, je vais mettre un bonnet. Ça marche. De la ficelle. Du cuir. Alors, les bonnets. Oh putain, mais il y en a masse du cuir en fait. Pour les bottes, par contre, c'est mieux de prendre Basic Boots. C'est les meilleurs dans ce que tu peux crafter pour l'instant. Ouais, mais faut pas du fer pour les crafter, ceux-là. On en a du fer. Ah, yes, c'est cool. Bon. On va attendre que Shiny se finisse de tricoter son bonnet, et puis... Après, je vais faire ma paire de moufles. Qu'est-ce qu'il y a ? Tranquillement. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que tu peux tout crafter. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de craft, ça, c'est plutôt cool. Non, là, que je veux dire, c'est qu'on peut être trois à utiliser la même table en même temps. Tant qu'il y a suffisamment de place sur la... Ah ok, d'accord, je savais pas. Par contre, des fois, ça bug un petit peu. C'est le truc de pouvoir poser une porte en pierre. Donc, équipement... Ah ouais, yes, ok, d'accord, on peut tous utiliser le machin, ok, c'est cool. Ok, un petit sac à dos. Ça, c'est good. Capacité de stockage, plus 10. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Un bonnet. On va se faire un petit bonnet. Basic boots. Ah, ok, d'accord. Bon, très bien. Il a disparu. C'est quoi ce délire? C'est super bizarre au niveau des crafts quand on est plusieurs sur la table. En fait, si vous voulez, quand l'autre il interagit, et ben ça interagit chez moi aussi. C'est super bizarre, c'est un petit peu la bagarre en fait. Ok, on va se faire un petit... Oh, un petit bonnet jaune, j'aime bien. Moi je passe à là, mais c'est pas grave. J'ai les gris sneakers. Le jaune, ça ira bien avec mon teint. Je prends. Putain, regardez ça, comment je suis stylé là. J'ai le sac à dos et tout. T'es potes sont bien. On est frais là, on est bien là. Là, on est refait là. Tiens, en parlant de hache et de pioche. Yes, impeccable. T'en es où, Jolan, sur tes armes? J'ai une hache et une pioche en pierre. Ok, alors on va déjà te crafter. Alors, juste avant, on va tirer déjà tes bottes. Yes, ça c'est cool. Merci. Attendez, je vais en valider.
Oh, regardez ça, on est équipé de la tête aux pieds là. Bah ouais, c'est ce que j'allais te demander en fait. C'est bon ça. Ça c'est aussi un truc con. Tu peux t'apercevoir la torche qui brûle en bas, elle allume toute la baraque. Tu peux même aller dehors et... Ah ouais, c'est cool ça. Ouais mais par contre, on n'est pas grillé de loin avec ça. Si, parce que tu vas te balader là-bas à 50 mètres, tu vois la maison éclairée. Ouais mais attends, t'inquiète, quand on aura fait un bon truc là, va falloir fortifier tout ça quoi. Déjà on est pas mal là. C'est fortifié, c'est ça. Oh, on est bien là. Y'a moyen de péter les murs? Du C4. Ah, avec du C4, ah ouais. Ouais, donc c'est chaud, si les ennemis ils se ramènent, ils peuvent verrer de la base quoi. Tu vas dans l'équipement, regarde la recette du C4. Ah ouais! Tu penses que t'arriverais à trouver tout ça? Ouais, ça va avant de faire du C4 déjà. Et tu fais quoi? Tu fais un pain de C4 avec ça en plus? Ouais. Ah ouais! Tu fais péter une porte avec tout ça. Ouais, mais franchement, déjà avant de farmer tout ça, y'a du boulot. Y'a du boulot vite fait. Donc il te faut une pioche de fer. Il te faut une hache en fer. Par contre, je vais. Hop! Le marteau. J'en ai pas forcément besoin tout de suite dans l'immédiat. Ok, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pioche en titanium. Pioche. Yes, ça c'est cool. Bah du coup, tu sais quoi? Je vais te drop. Je vais te drop ma pioche en pierre et ma hache en pierre. Bah lance-les, mets-les quelque part à la limite. Ouais, je vais les mettre dans une armoire. Parce qu'il faut te souvenir. Toujours te souvenir que tant que tu les as dans ta barre, et sauf si t'as tué 15 milliards de personnes entre temps, tu les garderas sur toi toute la durée du perso. Ouais, ok, parce qu'en fait la barre d'infâme c'est quoi? Plus elle monte, en fait, ça fait quoi? Pour chaque point d'infamie, ouais, que tu as, tu perds un stuff. Donc un truc, un de tes outils qui est dans ta barre d'espace, ou un. Comment on appelle ça? Ou un ami. Je savais bien qu'il y avait un truc avec cette barre d'infâme. Barre d'infamie, tu perds tout ce que t'as sur toi. Ah ouais, ok, d'accord. Et ça redescend pas. En fait, c'est genre un point d'infamie, si j'ai bien compris, ça prend 15 minutes pour que ça descende. Mais si t'as 15 points, ça descendra plus, jusqu'à ta mort. Ouais, ouais, bah en fait, tout à l'heure, je t'ai tué, et si tu veux, j'avais des points d'infâme, mais ça s'est descendu, mais tout doucement, tu vois. Tu mets ta pioche là-dedans. Ma pioche, je l'ai foutue là. Hein. Non, mais tu la mets là. Ta pioche là, ta pioche en fer. Ah, la pioche en fer, tu veux que je la mette où là-dedans? Voilà. Tu vois la recette, tu la mets au milieu, t'appuies sur artisanat et puis... Oh yes! Ok, d'accord, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est une pioche encore plus costaud celle-là quoi. Ton arc, c'est un arc normal ou c'est un arc de chasse? C'est un arc en bois. Ok. Voilà, on se stuff bien là. On est bien parti. Franchement, bien. Donc pareil, tu poses ton arc au milieu et puis... Yes. Arme... Arc de chasse. Ah yes, c'est bon ça. Yes. C'est cool. Ah ouais, 35 de dégâts, c'est bon ça. Il fallait que je me fasse et je pense que ce serait bien que tout le monde se le fasse aussi. Là c'est bon, nickel. C'est... Dans les outils, c'est la balise. La balise, c'est pour retrouver la base ça, non? En gros, ça te permet de... Comment on appelle ça? De te repérer. Quand tu sors ta balise, ça te permet de voir en gros où t'es par rapport à la... Ah ok, d'accord. Tu fais comment pour t'en faire une? C'est quelqu'un qui a un aimant qui traîne. J'ai tout mis dans le placard. Vas-y, c'est pas grave, au pire, je la ferai plus tard sinon. Oh, on est pas mal. Là, on est bien là, franchement. On est bien pour partir à l'aventure. On s'est bien stuffé là. La hache de compétition, la pioche de compétition, l'arc de compétition. Tu vas aller faire quoi? Chasser du Yeti. Chasser du Yeti, ça c'est bon ça. Ouais. On peut aller faire ça. Y'a des Yeti là-dedans? Pour l'instant, moi j'ai vu que des biches, des sangliers et des biquettes, hein. Oh, carrément la chaudière et tout. Ah, oh, yes, c'est pour faire du minerai de fer, ok. Ok, faut de l'essence et t'as tout. T'as regardé ce qu'il fallait pour faire le frigo? Il faut du liquide. Il faut la même chose que le fourneau, mais il faut du liquide réfrigérant. Et je sais pas du tout où on chope. D'accord. A priori, c'est dans les grosses zones, mais pas encore. C'est que la bouffe elle peut moisir dans le jeu? Ouais. Oh, ok, d'accord. Sympa ça. Bon appétit. Merci. Mais de rien, j'espère que c'était bon. Tu t'es régalé. Délicieux. Bien à point comme il faut. À point. Cuisson à point. C'est ça. Tout le monde a ses munitions. Ah bah moi j'ai zéro munitions moi. Ouais, il a une péteuse et tout. Oh la carabine. Ouais, bah tiens, prends les 20 fluffs qui traînent. Ouais. Sur la table. Yes.
Attends, je peux me faire des munitions sans table de craft. Il faudrait que vous ayez au moins 50 flèches chacun. Non, je peux pas. J'en ai pas. Ouais, bon, bah on va farmer du bois alors. Hein. Bah, c'est ça. Bon, allez. On va tout de suite aller essayer l'âge de compétition. Il doit essayer de voir. Merde. Putain, je prends de la radioactivité.